Voilà. Herman est là. Il fait froid aujourd'hui, hein? Le soleil est sorti, mais il fait froid, les gars. Le soleil est sorti, mais il fait froid. Il fait froid, il fait froid, il fait froid. Oh. Que Dieu bénisse votre. Attendez que je mette le. Que je mette le micro. Micro, micro, micro. Bien. Alors, la population. Comment vous allez, la population? On dirait mon image tremble là. Oh, ça tremble. Quand ça tremble, quand c'est que le téléphone est chargé. Il n'y a pas assez de. Il n'y a pas assez. Ben, j'ai fait plusieurs vidéos. Hein, et j'ai fait des montages que j'ai remis dans le téléphone pour pouvoir mettre en ligne. Et là, vraiment, le téléphone est chargé. Est-ce que vous me recevez bien? J'ai fini ça. Dès que je finis avec vous la causerie. Hein, voilà. Ils ont changé mon emploi du temps. Donc aujourd'hui, je ne travaille pas. Voilà. Ils m'ont privé de 8 heures. Ce n'est pas grave. Je paie 8 heures pour cette semaine. 8 heures, c'est quelque chose, hein? Ah, c'est beaucoup d'argent, hein? 8 heures. Hein? C'est quelque chose. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Dans la journée d'aujourd'hui, je suis là. Mais j'ai profité en même temps pour, voilà, ranger mes choses. Pour. J'ai vérifié tout à l'heure avant de venir ici, j'ai vérifié mon compte. Je ne peux pas faire direct dans la maison. Je ne peux pas faire direct. La manière dont il parle ici, là, je ne peux pas parler quoi dans la maison. Vous voyez, non, voilà. Je ne peux pas. L'autre côté où j'étais, comme c'est un quartier de bruit, là-bas, tu peux parler et ils s'en foutent. Mais ici, là, comme c'est les boss, ils n'aiment pas bruit. Ils ne veulent même pas entendre le son de ta voix. Ils vont dire comme, elle ne veut pas entendre le son de ma voix. C'est-à-dire parler comme ça, là. Tout le temps, ils sont obligés de sortir. Mais ce n'est pas grave. Je vais chercher une issue pour ça parce que ce n'est pas à faire. Voilà. Ça chauffe pas, c'est Herman Ivoirien. Ah, John, toi-même, tu connais. Ça chauffe pas. C'est Herman Ivoirien USA. Toujours au poste de contrôle. Voilà, la tour de contrôle. Je contrôle les choses. Ouais, je suis là. Voilà. Tout à l'heure, je vais prendre ma route. Je dois aller parler avec mon ami, là, le propriétaire de maison où j'étais là. Il m'avait parlé encore avec lui. On doit parler d'un projet. Voilà. C'est-à-dire, on ne le vit plus ensemble. Hein. Sa femme a fait jusqu'à et puis je suis sorti de là. Mais lui et moi, nous avons gardé de très bons contacts. Et souvent, il me dit, bon, tu vois la position de ma femme, mais qu'elle n'est pas sortie. C'est-à-dire, il double pour qu'on se rencontre. Non, c'est très important de garder de bonnes relations. C'est très important de garder de bonnes relations. Donc tout à l'heure, il a dit, ah mon gars, on m'a arraché mes 8 heures, donc aujourd'hui, je ne travaille pas. Quel est ton programme? Il dit, moi, je suis là, viens partir dans les montagnes. Et puis, arriver dans les montagnes, si on a fini de courir, si on a fini de manger, on va s'asseoir pour causer. Parce que je lui avais parlé d'un problème là. C'est un problème de maison, c'est pas autre chose. Voilà, il a dit que, ah, pardon, il faut fouiller tes contacts. Oh. C'est vrai que je ne réponds pas aux critères, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'arranger? Donc, c'est pas pour dire que, mais c'est pour parler seulement. Voilà, on va parler, on va parler, on va parler, on va parler, puis on va parler, 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 puis on va parler, parler, puis il est rentré. Ça va tuer mon temps, ça va tuer ma journée. Mais il doit rentrer pour faire certains montages aussi. Le montage d'hier m'a pris à peu près 3 heures pour faire le montage d'hier. Donc bientôt, dans 2 heures, 3 heures, le temps que j'arrive, vous allez recevoir la vidéo du jour. J'ai fait le poste pour vous demander de donner le titre. Personne n'a trouvé. Voilà, mais il y avait quelqu'un qui s'est moqué lorsque j'ai dit, bon, je vais envoyer 50 dollars à la personne qui trouve. Il y a eu des gens qui se sont moqués. Voilà, que non, 50 dollars c'est quoi? Bon, je n'ai pas bien lu la partie, mais j'ai vu que la personne riait. C'est pas grave. En tout cas, c'est juste pour ambiancer un peu les choses que j'avais dit ça. Voilà, mais pour moi, 50 dollars c'est beaucoup. Hein? Voilà, vous voyez qu'il y a des gens ici qui donnent 10 dollars comme super chat. Et puis je les bénis fatigués. Il y a des gens qui donnent 20 dollars. Voilà, donc 50 dollars c'est beaucoup pour moi. Voilà, en tout cas, si pour vous ce n'est rien. Pour moi, actuellement, je vous parle à 50 dollars, c'est beaucoup d'argent pour moi. Voilà, parce que, voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Voilà. Voilà Anthony qui dit 50 dollars, c'est quoi? Voilà. Donc, il y a des gens qui ont dit ça dans les commentaires. Parce que j'ai fait un petit post et j'ai dit, j'ai mis l'image. Lorsque je marchais dans l'endroit et puis je faisais la photo, il dit, qui va trouver le thème? C'est juste pour ambiancer. Voilà. Mais la personne peut se moquer hein, comme elle veut, mais moi, 50 dollars, c'est beaucoup, hein. Voilà, là où je vous parle, là, c'est quand tu m'as donné 50 dollars, tu m'as donné beaucoup d'argent. Voilà, parce que ça peut remplir le carburant pour une semaine de cette voiture-là. En tant que moi, il tourne beaucoup. Donc, tu m'as soutra. Voilà, tu me permets de ne pas marcher pendant une semaine. C'est pas beaucoup? Elle, c'est pas beaucoup. Si tu m'as donné 50 dollars qu'elle met dans la voiture, celle-là,
une semaine, c'est relancé. Je ne mâche pas. Je tourne dans la Californie pendant une semaine. Tu m'as arrangé? C'est beaucoup d'argent, hein? C'est beaucoup d'argent. Donc, la personne qui s'est moquée là, en tout cas, même 5 dollars, c'est beaucoup d'argent, comme le dit Anthony. Voilà. Bien! Je voulais préciser ça parce qu'il y a des personnes, je ne sais pas, qui pensent que la vie est facile. Et il y a des personnes, bon, peut-être elles sont mieux, elles ont une bonne, situation. Parce que tout le monde a la même chose. Mais il y a des personnes qui pensent aussi que quand on est en même temps dans le pays des Blancs, on est riche. Il était important pour moi de clarifier cela avant de continuer notre causerie du jour. Voilà, il était important pour moi de clarifier cela. Voilà, c'est vraiment beaucoup pour moi. Voilà. Mais personne n'a trouvé, malheureusement, personne n'a trouvé le titre. Si quelqu'un avait trouvé, il allait demander à la personne de me contacter, non, et puis il allait envoyer les 50 dollars. Parce que 50 dollars, ça fait 25 000 francs dans mon pays. 25 000 francs, mais tu peux faire marcher de ta femme pendant 3 jours, 4 jours, avec 25 000 francs. Donc c'est beaucoup. Voilà. Donc, tu n'as rien dit, tu n'as rien fait, quoi. Faut te moquer, toi qui as réussi, là, faut te moquer. Voilà. Bien. Alors, Herman Ivarek, USA, là, ça chauffe pas, il fallait faire une bonne précision avant de continuer. Voilà, dans la vidéo, je vais la balancer. Moi-même, je l'ai regardée entièrement. Elle m'a plu, hein. Elle m'a plu, mais je ne vais pas vous dire le thème. Tout de suite, je vais la balancer dans quelques heures. Vous allez la regarder. Il est quelle heure là-bas? Comme ça, elle calcule l'heure. Il veut que ça tombe dans la journée quand je vais balancer. Mais là où je suis, il n'y a pas de Wi-Fi. S'il y avait un Wi-Fi ici, ou même s'il y avait McDo, parce que moi, j'ai mon mot de passe. Je peux me connecter sur tous les Wi-Fi de McDo, quoi. Bon, McDo, même, ils ont Wi-Fi gratuit. Mais les Wi-Fi gratuits, là, de la manière on dit gratuit, là, c'est comme ça, ça tourne comme ça. Ça passe pas bien. Donc, il y a encore un mot de passe que tu peux mettre en tant que chose et puis tu vas avoir un bon accès. Voilà, un accès. Alors, quelqu'un dit, ton porte-bonnet de dernier bouton m'a porté chance aussi. Ah là, aïe. Mais voilà ça, ça est toujours là, le dernier bouton. Ça chauffe pas, c'est Herman Ivarek USA, ça chauffe pas. Voilà. Le dernier bouton est toujours là. Ça chauffe pas, c'est Herman Ivarek USA, hein? C'est pas quelqu'un d'autre. Voilà, il a dit les frères. Bon, il n'a pas dit tout le temps, il faut mettre. Il ne faut pas faire comme moi. Voilà, il ne faut pas faire comme moi en tout cas. Voilà. Il y a des jours, tu peux enlever le dernier bouton, tu peux laisser comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'avais dit ça dans un contexte très précis. J'ai dit, si tu vas par exemple à l'interview, si tu vas à raconter quelqu'un qui ne te connaît pas, que tu ne connais pas, si tu vas draguer une fille, ça c'est des contextes bien précis. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je parle. C'est bien précis, c'est bien clair et net. C'est dans ça que je vous ai dit, bon, vous mettez le dernier bouton. Mais moi, en tout cas, tous les jours, moi, je mets mon dernier bouton. Voilà, c'est ma particularité. Ça ne chauffe pas. C'est vraiment une valeur, ça ne chauffe pas. Voilà. Quelqu'un dit, il faut prier pour les résultats. En tout cas, Dieu, tout est entre les mains de Dieu. Tout est entre les mains de Dieu. Voilà, les résultats, c'est pour bientôt. On est déjà au 16. Le mois d'avril est déjà KO comme ça. Donc, apprêtez-vous, c'est le 8. Donc, le 8, le 9, ça sera propre. Voilà. Il est 15h49. C'est quel pays ça? Il est 17h à Djibouti. Ok, donc il fait encore jour, non? Donc dans 2h, il sera 20h à Djibouti. Dans 3h. Donc il faut que je fasse tout avant. C'est-à-dire dès que je finis le direct, avant les 30 minutes où les. Il faut que je trouve un McDo dans la région pour me connecter sur le Wi-Fi et puis balancer la vidéo. Par exemple, la vidéo fait 2 gigas. Elle est lourde. Si je prends cette connexion, je ne pourrai plus faire direct. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Donc, il faut que je trouve un Wi-Fi, un bon Wi-Fi pour balancer ça. Quand j'ai fait le montage, ça fait. C'est une vidéo de combien? On dirait 13 minutes ou 12 minutes, je ne sais plus trop. 11 minutes même, 12 minutes. Mais c'est lourd. Voilà. Il est 18h à Dubaï. Merci beaucoup, monsieur William, depuis Dubaï. Merci d'être aussi Herman Ivarek USA. Voilà. Eric, merci beaucoup. Merci à tous. Merci, merci, merci. Merci. Alors, donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça, les gars. Quelqu'un dit, je vais aller aux États-Unis pour travailler, mais je n'ai pas de niveau d'études. Bon, mais tous ceux qui travaillent ici, là, ce n'est pas forcément des personnes qui ont des niveaux d'études. Il y a des analphabètes qui travaillent. Le problème, c'est de comment tu vas arriver là. C'est ça qui est le vrai point. Ce n'est pas le niveau que tu as. Voilà. Par exemple, moi, le travail que je fais là, ça n'a pas... Bon, c'est vrai que ça a besoin de... Ils m'ont posé question sur mon niveau. Mais je ne pense pas que j'ai été employé à cause d'un certain niveau. Je ne pense pas. Hein, puisque c'est un restaurant. C'est un restaurant. Moi, je travaille dans un restaurant. Je ne suis pas encore arrivé quelque part, les frères. Voilà. Je travaille dans un restaurant et puis on fait d'autres choses dont on n'a pas envie de parler ici. Salut, l'élu de Dieu. Si tu as changé d'adresse, ton domicile,
Après le remplissage de DS, le jour de l'interview, tu dois dire au consul avant de jurer. Tu dois dire quoi au consul? Que tu as changé d'adresse, tu n'es pas obligé de dire ça au consul. L'adresse, s'il y a un problème sur l'ancienne adresse, c'est-à-dire la personne t'a refusé, la personne ne veut plus te sponsoriser, ou bien la personne, ou bien quelque chose s'est passé entre vous, voilà, tu peux signaler ça. Mais s'il n'y a pas de problème, tu laisses l'ancienne adresse, c'est tout. Je vous ai dit que quand tu viens ici, tu peux changer d'adresse ici. Voilà, c'est-à-dire à l'immigration, là, quand tu viens, quand tu atterris l'aéroport là, aux États-Unis, là, tu vas passer à l'immigration avant même de rentrer aux États-Unis, avant de sortir de l'aéroport. Tu passes à l'immigration. C'est-à-dire dans l'aéroport, là, il y a un coin d'immigration là-bas en même temps. Ils sont en rang comme ça. Tu fais le rang, il y a ton enveloppe qu'ils t'ont donnée là. Enveloppe scellée là. Tu passes là-bas. C'est là-bas maintenant tu changes l'adresse avant même de rentrer dans les villes américaines ou dans les États américains. Voilà. Donc, l'adresse que tu as mis là, tu peux laisser comme ça. Il ne faut pas trop modifier. Tu as mélangé tout et puis ça t'est fatigué. Voilà. Parce que plus tu changes, plus on te pose les questions. Or, le problème, c'est de minimiser, c'est de diminuer le nombre de questions. C'est ça. Oui, que ce soit à l'examen, à l'école, il faut tout faire pour ne pas qu'on te pose beaucoup de questions. Voilà, il faut diminuer le nombre de questions. Mais il va te demander encore pourquoi tu as changé, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça là, c'est compliqué. Ça, c'est mon avis. Voilà. Bonsoir, mon ami Herman. Bientôt les résultats. Voilà. Merci, mais tu me proposes quel moyen d'accès aux États-Unis? Il y a quel moyen? C'est les moyens légaux. C'est les moyens légaux. Je peux proposer quel moyen encore? Les moyens légaux, développeurs, par mariage, par visa étudiant. Voilà, on ne peut pas prendre l'eau aussi pour venir ici. Et puis, je vais conseiller ça à quelqu'un. C'est en France que les gens prennent l'eau. Ou bien, on dit, oui, les gens prennent l'eau de Maroc, un peu jusqu'à pour arriver en France. Mais ici, là, t'as fait comment même? On est au fond, c'est loin, très loin. C'est très, très loin. T'as fait comment pour prendre l'eau pour dire que t'as venu ici? Salut Herman, le métier de mannequinat paye bien aux États-Unis? Bon là, je ne sais pas. Mais comme vous savez, les Blancs, ils aiment les trucs bizarres comme ça. Là. Sûrement que ça paye. Voilà, eux, ils aiment les trucs un peu bizarres, mannequinat. Moi, mannequinat, tout ça, je n'ai jamais compris ça. Des gens qui portent des choses bizarres, qui marchent comme ça. Moi, franchement, si j'ai réussi la loterie, je ferme ma bouche. Voilà, comme je l'ai dit, hein, je vous ai conseillé cela. Voilà, il ne faut pas trop bavarder, il ne faut pas trop parler. Hein, voilà. Si tu as réussi, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Voilà. Tu as réussi, personne ne doit savoir jusqu'à nouvel ordre. C'est quand tu as voyagé là. Même quand tu arrives aux États-Unis, il faut faire encore un mois d'abord. Voilà. Moi, qui m'appelait? Quand j'étais à Abidjan, qui m'appelait? Tu peux faire 2 ans, on ne m'appelle pas. Personne ne m'a, aucun membre de ma famille ne m'appelle pour dire « C'est comment, mon petit frère, est-ce que tu vas bien? Mon neveu, est-ce que tu vas bien ?» Donc, quand il venait, il a fait deux mois plein. C'est ma maman, ma tante qui m'a élevé, qui est comme ma maman. Voilà, c'est ma maman. Puisque c'est moi qui encaissais ses maisons. Elle a des maisons. Elle a une cour, en fait, avec plusieurs bâtiments, voilà, plusieurs maisons. Donc, c'est moi qui encaissais. Donc, comme il y avait un deal, chaque fin du mois, c'est moi, comme je suis à Abidjan, et puis elle est à l'autre côté, elle est dans une autre ville. Donc, j'encaisse et puis j'envoie ça par Orange Money, c'est son numéro. Voilà. Donc c'est dans ce contexte-là. Je suis sûr que même si il n'y avait pas ce contexte entre elle et moi, au moins, elle allait chercher à savoir si je vais bien. Voilà. C'est elle seule, à part elle là, c'est bouclé. Donc moi là, je ne dois rien à quelqu'un. Je n'ai pas dit à quelqu'un. Non. Beaucoup ils sont fâchés, hein? Mes amis intimes, mes frères, mes cousines, mes grandes sœurs. Il y a d'autres même qui sont fâchés, fatigués. Mais je m'en fous. C'est ça aussi qu'elle. Non, je m'en fous même. Aïe! Je t'ai pas dit là, ça change quoi? D'après la dame qui m'a accueilli ici, là, elle dit est-ce que c'est eux qui allaient payer ton billet d'avion? Est-ce qu'ils allaient accepter de payer ton billet d'avion? Payer billet d'avion, même, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Voilà, donc, c'est un peu ça. Alors, quelqu'un dit ton WhatsApp. Non, je vais chercher un autre téléphone et puis une autre ligne moins chère. Ok? Tu vas prendre une ligne de 30$ ou même 35$. On dit là, les lignes les plus moins chères, c'est 35$ par mois. C'est-à-dire un autre numéro, pas mon numéro personnel, un autre numéro de sociaux médias, réseaux sociaux. Voilà, un numéro typiquement pour les réseaux sociaux. Comme ça, j'aime mettre ça publiquement, tout le monde peut m'écrire là-bas. Voilà, et mon numéro ça là, c'est... Voilà.
ça ce numéro là je veux pas, mais quand ça sonne je veux pas, et pas que les gens ne me laissent pas dormir, c'est à dire l'autre numéro je peux éteindre quand je veux dormir, j'éteins le téléphone par exemple. Et ça, vous comprenez un peu, mais les Africains quand ils donnaient mon numéro, non il y avait un autre numéro là, oh non tiens, les gens t'appellent en deux heures, d'autres même t'insultent. Toi, on t'écrit, tu ne réponds pas. Tu as foutaise. Tu ne dis pas que tu as réussi. Tu ne dis pas que les États-Unis, là, c'est la fin du monde. C'est parce que tu as donné mon numéro que tu me parles mal. C'est comme ça, il est fermé. Sinon, avant, là, tout le monde avait le WhatsApp. Voilà, c'est comme ça. Quelqu'un dit, tu préfères. Oui, je m'en fous, Anthony. Yeah, mon frère. Si tu veux, faut te fâcher même, je m'en fous. J'étais là-bas et toi, tu ne m'as jamais appelé. J'ai voyagé, pourquoi je ne t'ai pas dit avant de voyager? Quoi? Même le pape, même mon pasteur, il n'a pas dit. Même mon père spirituel, lui qui m'a parlé de Jésus pour la première fois, je n'ai pas dit. Lui, c'est à la veille que j'ai dit. Et dans un contexte très précis, puisque c'est un taximan. Tu vois, non? Donc, je devais aller à l'aéroport, je devais arriver très tôt à l'aéroport. Très, très tôt. Je ne voulais pas que les gens du quartier sachent que je bouge. Donc, je voulais sortir du quartier vers les 5 heures. Ou 6h00, les gens dorment encore là. Vous comprenez un peu? Donc c'est là, même le propriétaire de la maison que je louais, ben, il y avait un studio, c'est chambre, petite cuisine, une petite douche bizarre là. Hein? Voilà. Quand tu finis de faire tes affaires, l'odeur là te trouve dans la chambre. Vous voyez, les gens souffrent, on a trop souffert, on a souffrance, on a eu la tort. Moi, ces gens de maison là, vraiment, je vois ça comme une souffrance. Et puis c'était cher, le studio était cher. Je payais 25 000 francs. C'était pas 28 000. C'est combien même? On a c'était 25 000 par mois. Et ils appellent ça studio. Oh. C'est compliqué tout ça là. Il n'y a pas même. Quelqu'un dit tu préfères Mercedes ou BM? Oh, ces deux marques là sont. Ça dépend de quelle série dans chaque chose. Parce qu'il y a des séries, hein, il y a des BM, c'est pas du jeu. Hein. Il y a des Mercedes aussi, c'est pas du jeu. Donc, c'est vraiment compliqué. Ça dépend maintenant de. Ça décide de mettre BM, Mercedes, je vais maintenant regarder les séries. Tu vois, non, c'est les séries maintenant qui vont faire. Parce que les deux marques là, vraiment. Mais en général, ah, frère, c'est compliqué. Hein, parce qu'il y a des Mercedes là. Il y a des BM aussi là. Ah, les deux marques là, il y a concurrence. Mais parce que Mercedes, ils ont beaucoup plus de luxe, de voitures de luxe. Voilà, ils ont beaucoup de branches, ils ont beaucoup de choses. Donc, Mercedes, mais. Ce qui me plaît pas chez Mercedes, c'est que quand il y a une panne là, tu vas saigner quoi. Voilà. Lorsque s'il y a une panne, tu vas beaucoup saigner quoi. Voilà. C'est ça, c'est ce que je peux dire. Hein. Mais comme je te le dis, pas de niveau d'études. Oui, mais c'est ce que je dis là. Je ne sais pas quoi je vais vous dire encore. Moi, j'ai dit ce que je connais. Voilà. Frère Kwame, il a déjà répondu à votre question. Oui, mais c'est ça que je dis là. J'ai déjà répondu. Je ne sais pas comment. Qu'est-ce qu'il veut que je dise? Qu'est-ce qu'il veut? Je ne sais plus ce qu'il veut que je dise. J'ai répondu. Vous n'avez pas de niveau d'études. Quel moyen? J'ai déjà répondu. Des moyens légaux. Il n'y a pas autre moyen. Voilà. Ta voiture turbo V6 là, est-ce que c'est Mercedes? Non, ça c'est Toyota. Où je suis assis là, c'est Toyota, c'est pas Mercedes. Toyota. Moi, je suis plus pour la BMW. C'est ce que je dis, le choix est compliqué. Le choix est compliqué. Voilà, le choix est compliqué. Achumu dit, Grando, réponds-moi. Quelle était votre question? Faut me rappeler ça encore parce que c'est monté. Hein. Trop de commentaires là, dans mon corps. Vous êtes déjà 83 personnes en ligne hein, en 19 minutes. Donc tu vois que ça monte. Voilà. Trop de commentaires dans mon corps. Voilà, serment, il va réussir, ça ne chauffe pas. Aujourd'hui, même, je n'ai même pas parlé d'un sujet. Je lis seulement vos commentaires puis je vous réponds. Aujourd'hui là, c'est vous qui faites la causerie. Les deux, trois jours passés là, c'est moi qui parlais trop. Que Dieu te donne beaucoup plus d'argent pour t'acheter BM et Mercedes.
Que Dieu me donne beaucoup plus d'argent pour m'acheter une maison. Pratiquement, mon rêve, là, c'est maison. Voiture, là, j'ai trop conduit, mon frère. J'ai trop conduit. Je conduis, j'ai changé trop. J'ai changé. Voilà, j'ai changé. Je suis fatigué. Attends, je suis fatigué de voiture. Attends, voiture n'est plus un rêve pour moi. Voilà. Je cherche une maison qui va porter mon nom. Comme ça, demain, là, si tu as eu DV, là, je peux sciencer pour te sponsoriser. Et tu vas comprendre un peu. Voilà. Il y a des projets qui sont plus importants que d'autres. La vie, c'est la priorité. La voiture n'est pas pour l'instant une priorité pour moi. Donc, que Dieu me donne beaucoup d'argent pour que je puisse avoir. Parce qu'actuellement, je ne peux pas signer. Je ne suis pas éligible. Voilà. Je peux, si on me donne, s'il y a une maison, je peux payer par mois. Puisque ceux qui ont des maisons, là, s'ils ont trop payé, là, c'est 1 500 $ par mois. Il y a d'autres, là, eux, ils paient 2 000. Mais quand on dit 2 000 $ par mois, c'est que c'est y compris tout. C'est-à-dire les taxes de la maison, propriété de le Siri, la ville où tu es là. L'entretien, tu t'as payé pour ça. L'entretien de la cité. Couper les arbres, tailler les fleurs, balayer les rues. Tout cela, il y a un quota que tu dois payer parce que tu vis de la cité. Hein? La plupart des cités, il y a des piscines, il y a des jacuzzi, il y a les aquariums, il y a des trucs comme ça où tout le monde peut partir. Tout cela, l'entretien, là, tu dois payer. Tu vois, non? Donc, c'est tout cela qui fait ici, là, où ma famille d'accueil, là, les maisons, là, elles payaient 2 000 et quelques $, y compris tout, quoi. Voilà. Si tu as BMW et Mercedes, c'est que tu as une maison de plus de 600 000 $. Voilà. Tu dois, au moins, tu as ta maison. Maintenant, tu peux te faire plaisir. Est-ce que tu comprends un peu? Voilà. Tu peux te faire plaisir maintenant pour dire, bon, je vais me prendre une AMG. Hein? BMW AMG C63. AMG 63. Il faut taper sur YouTube, tu vas voir à quoi ça ressemble. Voilà. Hmm? V8. Super turbo. Voilà. Même studio que tu payais à 25 000 aujourd'hui, là, il te faut au minimum 70 000 ou 80 000. C'est ça que je dis là. Maintenant, et puis il paraît qu'en Afrique, les maisons ont augmenté là-bas encore. Hein? Ah, tu t'amuses. C'est possible de jouer dans un autre pays et faire l'interview dans un autre. Oui, c'est possible. Je pense que c'est possible. Ta voiture n'est pas Land Cruiser. C'est FG Cruiser. Pourquoi vous vous intéressez trop à ma voiture même. On appelle ça FG Cruiser. FG Cruiser. Mon cher, quand tu as projet en Afrique, ferme ta bouche. Ouais, c'est moi qui vous l'ai dit dans une vidéo. Voilà, on appelle ça aussi Hammer Toyota. Parce que quand tu allumes là, la radio là, l'écran là, ça sort Toyota FG Hammer Cruiser. Le nom, il est très long. Je n'aime pas le nom, c'est très long. Voilà, ils ont tout condensé. Parce que c'est la forme de Hammer, au fait. Ils ont fait ça à peu près comme Hammer. Hein? Voilà. Il y a GMC qui va faire sortir son Hammer bientôt. Hein? GMC. C'est une voiture, là. Ils vont faire sortir leur Hammer aussi. Voilà. Et je ne sais pas si BM a Hammer. Non, BM n'a pas encore pensé à ça. Mercedes n'a pas encore pensé à ça. Honda n'a pas encore pensé à ça. Mazda n'a pas encore pensé à ça. Ils n'ont pas encore de Hammer. C'est Toyota. Et puis, c'est qui a Hammer encore? Il pense que Toyota, c'est tout. On dit que c'est Toyota qui a fait un modèle Hammer et puis Hammer eux-mêmes. Je ne sais pas s'il y a une autre marque qui a fait un modèle Hammer. Mais GMC, ils ont commencé à faire la publicité de leur Hammer. Ça va sortir en 2023. En 2023, ça sort. Voilà. Quelqu'un dit, c'est frustrant aujourd'hui de vivre en Côte d'Ivoire. En bon, je ne savais pas où. Ah, donc, ils sont sur vous là-bas aussi avec les maisons chères. Eh, hey, Seigneur Jésus. Sinon, moi, il y avait un studio de 25 000. Hein? Voilà, 25 000 francs. 25 000 francs que je payais. Que Dieu te donne beaucoup d'argent pour t'acheter une maison parce que tu as trop souffrance. Oui, on a eu la tort. On a trop souffrance. Voilà. Hammer, deuxième main, 20 000 francs. Bon, je ne sais pas si c'est une affirmation, si c'est une question. Les Hammer, oui, mais les gens, est-ce que les Hammer s'intéressent beaucoup à Hammer même. Ici là, les gens sont beaucoup dans les Toyota, hein. Les gens sont beaucoup dans les marques, les Hammer, les marques comme ça là, les gens n'aiment pas tout ça. Mais c'est coûteux pour rien, ça bouffe carburant pour rien et puis voilà. Moi, j'entends un cours sur la bioécologie intelligente. Ok, la vie devient de plus en plus chère et impôts de taxes a augmenté cette année. Ah bon, et puis vous parlez de Côte d'Ivoire comme ça, hein. Ici aussi là, les taxes vont nous tuer.
Ici aussi, là, les tasses vont nous tuer. Non, ma voiture ne coûte pas 20 millions. Non. J'ai pas envie de vous dire les prix, mais bon. Avec, ça va quand même. Alors, qu'à laisser à faire de tout ça là-même. J'ai besoin de t'envoyer quelque chose, mais je ne sais pas comment faire. Donc, je te demande comment faire si je veux t'envoyer quelque chose, même si ce n'est pas beaucoup. Faut faire quelque chose. Quelque chose, ça veut dire quoi? L'argent. Il y a PayPal qui est là. Faut faire PayPal, frère. PayPal, même 3 dollars, tu peux envoyer. Voilà. Tous ceux qui veulent me soutenir, là, il y a Super Chat. Vous cliquez à côté, là. Il y a un petit signe, là. Vous qui êtes en direct, là. Les 82, là. Il y a un petit signe. Cliquez à côté. Cliquez à côté, vous allez soutenir la chaîne. Pour ceux qui n'ont pas cette possibilité, il y a PayPal qui est là. Vous me dites, si vous me faites signe, je vais vous donner mon PayPal. N'oublie pas de trouver une femme de ton choix parce que femme américaine, là, c'est problème. Exactement, Maria. Voilà. Maria, c'est juste ce que vous dites. Exactement. Une marque X Toyota 9 peut coûter combien? Une marque X. Il faut être précis, puisqu'il y a les Forerunner qui sont à 50 000 dollars. Il y a des FG Cruiser qui vont vers les 60 000 dollars. Oui, aussi assis là. Ah, c'est deuxième main, il ne faut pas dire qu'il y a 60 000 dollars. Voilà, il y a des FG Cruiser là. Hein, voilà. Où tout est modifié, hein. Il y a des choses ici. Il y a des. C'est pas la même chose, mais c'est même format. Même format, même design, mais ils ont fait des rajouts. Plein de rajouts dessus, quoi. Les nouveaux FG. Voilà. Qui vont dans les 50, 55, 60. Voilà. Mais là, il y a les petits Toyota qui sont dans les 25 000 dollars, comme celui-ci. Voilà. Ça, là, j'ai. Comme Toyota qui est là-bas, là. Vous voyez la blanche, là. Ça, c'est Toyota que vous voyez comme ça, ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça avait 25 000 francs et il dit 25 000. 25 000 dollars, tu as ça, nouveau. Voilà, et puis ce sont des voitures durables. Hein. Voilà, donc. Voilà quoi. Il y a des petits Toyota de 25 000. Mais là, les Camry, tu peux avoir ça. Camry, c'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher. Tu peux avoir ça, André, à 35 000, 40 000. Voilà. Parle-nous des femmes américaines noires. Non, moi, elles sont déconseillées. Voilà. Vous savez, dans la vie, il y a toujours exception. Hein? Il y a d'autres qui sont peut-être bien, mais la plupart sont déconseillées. Je vous les déconseille. Voilà. Herman, que penses-tu de la Floride? Eh, j'avais déjà répondu ça là hier, non? Donc, j'ai dit que ce sont des États où il fait froid, mais c'est moins cher par rapport à ici. Mais ce n'est pas trop moins cher. C'est ce que j'avais répondu hier dans la causerie d'hier. J'ai dit la Floride, hein, qu'on appelle ici Florida, c'est ça non? C'est pas cher comme la Californie, mais c'est pas trop moins cher comme les autres États. Mais il fait froid là-bas. Donc, par rapport à ces trois critères-là, ça dépend de vous si vous pouvez partir. Si vous aimez la neige, c'est un bon État aussi pour ceux qui aiment prendre les photos là. Voilà, ceux qui aiment prendre les photos dans la neige. Ou ceux qui aiment les habits de neige. Quand tu portes ici, là, il y a beaucoup de chiffons. Voilà. Tu peux aller porter ça et puis t'en prendre photo pour mettre sur Facebook. Si ça peut t'aider, bonne chance. Moi, en tout cas, ici, là, il y a toujours soleil. Voilà. Ça m'aide comme ça. Au lieu de prendre photo avec des choses pour dire que je suis dans le pays des Blancs. Bien. Comment ça va? Quelqu'un dit, comment ça va avec la colocataire? Parle-nous un peu de ses défauts. Non, 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 je n'ai pas trop parlé de ça. Et puis, elle n'est pas colocataire. Elle, c'est colocataire. C'est la propriétaire de la maison. Floride est toujours chaud, bro. Ah, OK. On dit Florida aussi, là-bas, c'est chaud. Ah, OK. D'accord, merci pour l'information. Voilà. Ah, OK. On dit ça neige pas. Ça c'est pas cher, c'est pas moins cher, là. Parce que je sais que la Floride n'est pas moins cher par rapport aux autres États. Voilà. Comme Iowa, où il fait très froid, et puis c'est moins cher. Voilà. Donc, merci pour le temps que vous me dites là. Donc il ne fait pas froid là-bas aussi. Voilà, ok, donc c'est ça. Je peux se tromper et puis je ne maîtrise pas tout. Que penses-tu de Bugatti? Non, ça c'est la voiture des milliardaires. Il faut laisser ça, mon frère. Il faut laisser ça. Parle-nous des logements. Dans quel domaine les logements?
Ici aux États-Unis, ici en Californie, ah, les frères, maison est chère. Maison est très chère, les frères, très chère, très, 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 très chère. Les maisons sont très, très chères. Mais quand tu as tout fait que tu as ta maison, tu es à l'aise, quoi. Tu restes, c'est comme si oh, tu as diminué tes problèmes de 50%, je t'assure. De 50%. Mais comme mon ami là m'avait dit, il faut, si tu veux avoir ta maison, il faut beaucoup faire attention sur l'environnement avant de prendre la maison. Donc il faut regarder l'entourage, comment les gens vivent là-bas, il faut te renseigner. Mais si tu es parti dans un mauvais endroit, tu vas souffrir pour rien. Tu vas souffrir pour rien parce qu'il y a des endroits où il y a des mauvaises personnes. Voilà, il y a des mauvaises personnes qui sont méchantes pour rien. Il peut venir percer les pneus de ta voiture et puis il s'en va. Pour rien. Il peut venir gratter ta voiture et s'en va. Donc faites attention. Quelqu'un dit honnêtement, les maisons sont abordables ici au Bénin. Avec 25 000, tu vis très bien. Une chambre, salon, carrelée avec douche et cuisine interne. Voilà, donc voilà. Au Bénin, c'est ça. Encore. Ça monte vite, hein. Pour la DV, c'est normal qu'on paye et à combien à peu près? C'est normal qu'on paye quoi? L'interview ou bien l'inscription ou bien quoi? On paye quoi? Puisque DV là, on paye tout. Hein? Même visite médicale, tu as payé. Herman, pourrais-tu nous faire une vidéo dans ton quartier un jour? Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire parce que. Voilà. Que veut dire Maasai? Bonjour Hermal, parfait, depuis Cameroun. Salut Monsieur Parfait. Je veux savoir les résultats de la DV au Cameroun. C'est quel pays? Tu as mis haut et puis tu as mis drapeau, je ne sais pas c'est quel pays. Hein. Les inscriptions. Oui, les inscriptions, c'est gratuit. Hein? Les inscriptions sont gratuites. Mais si tu veux que quelqu'un fasse l'inscription pour toi, là tu vas donner, tu vas payer la personne. Voilà, si c'est de ça que vous parlez, mais c'est normal, la personne va utiliser sa connexion, non? La personne va utiliser son ordinateur. La personne va utiliser ses doigts pour taper. Dans la ville, rien n'est gratuit, hein? Rien n'est gratuit. Donc si c'est dans ce sens-là que tu parles, là c'est normal. Un Américain ne peut pas porter plainte, on ne peut pas poursuivre quelqu'un parce qu'il te fait payer ses frais. Ça, voilà, on ne peut pas poursuivre quelqu'un pour ça. Moi-même, ici, j'ai fait vidéo fatigué pour dire que moi, j'ai fait suivi. Et puis, j'ai dit suivi, là, c'est payant. Même dans YouTube, là, quand tu cliques sur rejoindre, là, regardez bien ceux qui sont, vous allez voir rejoindre. Quand tu cliques là, tu vas voir qu'il y a mis suivi, DV l'autorité, et puis il a mis le prix. Voilà. Il a fait ça, puis il a envoyé ça à YouTube, puis ils ont validé ça. Voilà. Ils savent que c'est DV l'autorité, il a mis le prix. Payant. Voilà, ça n'a pas quelque part. Donc, c'est à ça que vous faites allusion. Oui, c'est normal. Rien n'est gratuit dans la vie. Hein. Vous vous amusez. Là où j'ai garé ma voiture, puis j'ai fait vidéo là, c'est parce que j'ai payé. Les deux plaques là, il y a quelque chose qui est collé derrière là. Ça porte l'année 2022. Bon, moi, j'ai déjà payé pour l'année 2022. Voilà, sinon, normalement, s'il n'y a pas l'année 2021 derrière ta plaque, les policiers vont t'arrêter. Ils vont te créer des problèmes. Ben, tu conduis sur le sol californien illégalement. Tu dois payer. Rien n'est gratuit, hein. Voilà, dans la ville, rien n'est gratuit. Ne vous habituez pas à ça, hein. Ha. Rien n'est gratuit, hein. Voilà un gars, un Ivoirien qui fait vidéo beaucoup, c'est temps, si l'on dit, on l'appelle Apuchou Régional. C'est ça, non? Apuchou quoi, là, même. Il y a un petit qui fait mouche, là. Souvent, il voit beaucoup les gens partagent ces vidéos-là. Il s'appelle Apuchou Régional, non? Apuchou Régional. Voilà. Il y a un problème entre les filles et une femme mariée, là. Voilà, la femme dit à l'enfant, il dit qu'il faut donner l'argent, il y a problème d'argent qui a pété. On ne fait rien pour rien. Hein? Ah, national, pardon, moi j'ai dit régional. Ah. C'est les gens, ils ne suivent pas trop, mais bon, quand quelqu'un, ça se répète, tu es obligé d'attendre un peu les bruits. Sinon, moi je m'assois pour suivre lui, là, ça me donne quoi? Sérieusement, hein, moi, Herman, il va aller USA, ça ne chauffe pas. Je m'assois pour regarder ce type-là, ça me donne quoi? Vous ne connaissez pas la vie, vous serez surpris quand vous aurez 60 ans et vous n'êtes pas encore arrivé quelque part. Asseyez-vous et regardez une heure de direct d'un tel Apuchou. Faut mieux regarder ça là. Au moins ça te porte des renseignements, des enseignements. Voilà. Moi, je peux regarder Marc Zocasson, mais quoi là. Il y a un gars qui fait vidéo de motivation là.
Le juif n'a rien à faire, je peux aller regarder ça. Je peux regarder une vidéo de motivation de Washington Dezen. Washington Dezen, mon acteur préféré ici aux États-Unis. Il fait des, les gens font des vidéos sur ses déclarations, ses motivations. Moi, je peux m'asseoir, je peux me prendre mes deux fesses pour regarder ça. Je peux regarder Will Smith. Tape Will Smith, mais quoi là? Les gens prennent, c'est pas eux-mêmes qui font, hein, c'est les gens qui prennent leurs histoires, leurs trucs pour faire des vidéos de motivation. Je peux regarder ça. Voilà! Je peux, au lieu de partir regarder quelqu'un, je ne sais pas. Vraiment désolé, excusez-moi, mais. On n'a qu'à laisser ça, mais pardon. Ils vont dire que je critique les gens. Et ce n'est pas bon aussi. Chacun a son domaine. Voilà. Moi, je ne suis pas un amuseur public. Ça, c'est moi. Mais je suis un motivateur. Voilà. Herman, merci pour le temps que tu consacres. Tu apportes de la valeur. Merci beaucoup. Lala tout, merci. Eh oui, j'ai vu ça, mais ah, pour tu m'as mélangé la tête. Et puis je n'ai pas dit merci à Lala tout. Merci pour les 10$. Elle m'a salué avec 10$. Voilà. Eh, 10€, pardon. Voilà. Donc c'est important. Ça fait 11$ ici. Voilà. Merci beaucoup, maman Lala tout. Ça c'est une bonne salutation. Voilà. Voilà une chaîne que souvent je regarde. I5 Motivation. Voilà. Non, pas I5. H5 motivation. C'est YouTube, allez taper, tu faut t'asseoir pour regarder. Au moins ça va te déranger un peu et puis tu vas sortir de la rue. Voilà, pour te chercher une place au soleil. Au lieu de rester là, général Makoso, vraiment les gens. Yako à l'Afrique, Yako, vraiment. Bonjour le Demurge. Tiens, c'est quel mot ça là? C'est la première fois que j'entends ce mot là. Le demiurge. Avez-vous des connaissances sur agents de sûreté aux aéroports des États-Unis? Non, je n'ai pas de renseignements, je n'ai pas de trucs. Moi-même, j'ai envie de partir même dans les aéroports là pour voir, pour postuler. J'ai travaillé à l'aéroport, dans les aéroports. J'ai travaillé dans les aéroports américains. Ça me vient souvent à l'esprit. Il est parti là pour voir. Et il paye combien? On est venu ici pour barra, on n'est pas venu ici pour être dans le bureau. Ça, c'est clair. Hein? Ah. Leader, je veux savoir si aux États-Unis, le domaine de peintre, port. Quoi? Peinture, port. Bon, si c'est peintre, vous voulez dire, pas, je ne comprends pas vos commentaires. Vous dites peinture, port, plus haut, où marche là-bas? Je ne comprends pas bien votre commentaire, mais si vous voulez parler de peintre, oui, ça, c'est un bon domaine aussi. Hein. Mais comme je l'ai dit, moi, je préfère faire un boulot où je ne suis pas toujours sale. Voilà, donc chacun a sa manière de voir. Voilà, parce que le travail fait partie de ta vie. Je préfère faire un travail où je ne suis pas sale. Corporellement, ça dit mes habits. Parce que tu es peintre là, tout le temps, tu vois, tu es obligé de porter habits de peintre là. Et ça, tu comprends un peu. Voilà, donc c'est à chacun de voir quoi. Moi, c'est comme ça, moi, je vois les choses. Mais bon, quelqu'un dit, il faut que tu ailles en ligne sur les sites des compagnies aériennes. Oui, oui, je vais gérer ça. Un jour, je m'assois et puis chercher les informations. Combien ils sont payés, comment ça marche, travail à l'aéroport, qu'est-ce que... Et puis, je vais voir si je peux aller appliquer là-bas. Je vais changer un peu. Comme ça, j'aurai beaucoup de choses. Comme ça fait des voyages, j'aurai beaucoup d'informations encore à vous donner. Voilà, par exemple, quand il essaie de travailler là-bas, c'est qu'il est monté. Il n'est pas seulement resté là à lancer les valises. Non, moi, il se passe comme ça. Quand il rentre quelque part, il cherche à monter. Donc, s'il rentre là-bas, il va vouloir monter. Il est monté. Soit il est dans un domaine, le domaine de... Je ne sais pas. Il y a quel domaine là-bas, mais il a fait ça. Quelqu'un dit, si tu as besoin d'aide, fais-moi signe. Ok, je vais aller sur le site là pour voir, il n'y a pas de problème. Et puis, il va vous faire signe s'il y a besoin d'aide, il n'y a pas de problème. Monsieur Herman, bon courage à toi. Je te salue depuis un certain... Quoi? Oh, je te suis depuis un certain... Vraiment, je suis fier de toi. Merci, Idriss. Merci, monsieur le Turquien. C'est ça on dit, non? Le Turquien. Qui parle de national encore ici, là? Pardonnez, enlevez ça là, ici, pardonnez. Merci d'être 100 et quelques personnes. Merci pour les 54 pouces bleus. Nous sommes à presque 40 minutes. On a presque fini. Il reste 20 minutes.
pour notre causerie d'aujourd'hui. Et puis je vais aller balancer maintenant votre vidéo, leçon de vie numéro 063. Ah, le Turc, voilà. Salut le Turc, on est ensemble. Ah, ce message était pour Pierre. Ah, d'accord. Moi, je mélange tout maintenant ici. Hein. Donc, je pense que c'est à moi que c'était adressé. Comme là. Bonsoir, grand Herman. Salut, mon frère. Salut, le grand. Moussa Diané. Bonjour. Depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour, depuis la Côte d'Ivoire. Voilà un gars qui est en train de balayer. Vous voyez le gars là, non? Lui, il balaye le coin. Vous voyez celui-là? Voilà, lui balaye, c'est son travail qui est là. C'est un père de famille, hein. Voilà. Et il a un petit truc pour ramasser les petits sachets. Voilà. Où il est même? Il est parti. Voilà, le voici là-bas. Vous voyez, non? Voilà, très important, les frères. Voilà, c'est son travail qui est là. Lui, il balaye. C'est comment ça est? C'est un père de famille, il a des enfants. Voilà, mais il balaye. Et puis, il s'en fout de quelqu'un. C'est ça, les frères. On n'est pas venu ici pour s'amuser. Hein? Oh, vous amusez. C'est parce que je suis un homme corporel. Si j'étais un robot, là, j'allais faire 10 boulots à la fois. 10 boulots. Parce que le temps même qu'il paye ces dollars. Et surtout aux États-Unis, ils aiment dire... Comment ils disent ça même? One more day, one more dollar. C'est comme ça, eux, ils disent. Quand tu les salues, quand tu dis... Comment ça va? Il dit one more day, one more dollar. Ça, c'est comme ça ils sont, les Américains. Il dit un autre jour et un autre dollar doit rentrer dans sa poche. Voilà. Tu vois, non? Seul, et puis, je gère beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire pour payer mes factures, là, je suis obligé de prendre mon temps moi-même pour gérer tout. Pour manger, je suis obligé de prendre mon temps pour aller faire marcher, pour préparer. Tout ça, c'est le temps. Sinon, si j'étais marié, là, ah, moi, j'ai toujours dehors. Oh! Vendredi, je change mon emploi du temps. Mais il y a longtemps, j'ai appelé mes anciens gars. Est-ce qu'il n'y a pas de position quelque part? Il y a longtemps, c'est un de bar là. Mais les 24 heures de la journée, là. Mais c'est pas tombé, ça ne tombe pas à l'eau. Parce que là, monsieur est en train de travailler. Il y a 10 dollars qui est rentré, non? Vous voyez, c'est zéro. Oh, 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 la vie, quoi. Vous voyez que là où je suis assis, là, je ne travaille pas. Il y a d'autres, quand ils viennent dans ton direct, là, va travailler. Quand vous voyez les gens qui font vidéo, là, vous voyez qu'ils ne font rien. Même vidéo qui fait à ce travail. Même sur Facebook, là, ça ne paye pas. On veut là-bas, c'est pas monétisé, mais quoi, là. C'est, même là, voir Apuchu, là, vous avez vu qu'on dit, on parle de 3 000 euros. Hein. Apuchu, dans son âge, qui fait vidéo, et puis on ne sait pas de quoi il parle, là. On parle de 3 000 euros, c'est rien dans sa poche. Peut-être c'est ça là qui a pété, puis tout le monde connaît. Donc, dans la vie, là, partout, c'est travail, les frères. Voilà, n'allez pas jouer dame. Ah, vous aussi. De quoi parle l'auteur? Il y a travail partout, les frères. Oh. Même là où je suis là, c'est travail ici en train de faire. C'est mon image, je vends. Il y a des personnes qui me découvrent. Chaque jour, là, il y a une nouvelle personne qui vient se connecter, qui vient s'abonner. Chaque jour. C'est travail, hein? Ah, vous aussi. Le jeu est la vie, quoi. Mais vous-même, c'est travail que vous faites. Parce que si quelqu'un se fait remarquer comme la latou, la latou, la latou, la latou. Et puis demain, il a acheté ma maison de 5 chambres, ou de 3 chambres. Que la latou a besoin de mon aide. Que ah, j'ai mon cousin ou j'ai ma cousine qui a eu DV, pardon, faut l'aider. C'est le travail qu'elle a fait jusqu'en là qui va faire que je lui ai dit bon, je vais signer. Elle a qu'à venir. Elle peut dormir ici pendant 3 mois et puis elle se chercher. Voilà. Donc, ce que vous faites dans ce travail aussi, hein. Nous tous, on travaille. Faut pas le regarder à Poutchou. Faut pas le regarder le marmailleur. Il va rien t'apporter. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Bon. Combien YouTube. Il dit quoi? Combien YouTube vous paye par mois? Est-ce que... Non, YouTube ne paye pas. YouTube, ce n'est pas fait de payer par mois. Non, ce n'est pas comme ça. Pour avoir au moins peut-être 2 000 $ par mois comme ça, il faut avoir peut-être 100 000 abonnés. C'est sûr que les 100 000 et plus là, hein, les observateurs là, voilà, ils peuvent se faire 3 000, 4 000 $ par mois de la part de YouTube. Voilà, mais nous on est dans les 10 000 là, 20 000 là, que YouTube donne quoi. Je n'ai pas dit ce que ça donne pour l'instant puisque c'est vraiment rien, les gens aiment se moquer. Oh. Voilà, j'ai fait un post où j'ai dit que j'ai donné 50 $ à la personne qui trouve le thème de ma prochaine vidéo. J'ai vu des gens qui sont moqués.
Donc si elle dit ce que YouTube me donne, elle va dire hi. C'est qu'il faut abandonner YouTube. Je ne suis pas venu sur YouTube pour ça. Je suis venu pour partager mes savoirs avec les gens. Voilà. C'est comme une entreprise. Tous les entrepreneurs que vous connaissez là, ils vont vous dire ça. Quand tu commences une entreprise, ne regarde pas les bénéfices d'abord. Regarde, il faut construire le projet. Voilà, c'est comme ça. McDo là, aujourd'hui là, ils sont des multimilliardaires. Mais vous savez, peut-être que quand ils commençaient là, ils ne regardaient pas les bénéfices. Il a commencé un store, c'est-à-dire un magasin, deux magasins. Il perdait, mais c'est le projet qu'il regardait pour que ça s'étende partout dans le monde. Voilà. Donc les frères, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est quoi encore comme question? Vraiment, merci pour l'aide que tu nous apportes. Chapeau à toi. Ceux qui se moquent perdent leur temps. Ah, mais ils n'ont qu'à se moquer. C'est eux qui voient. Oh. Lala tout, il fait quelle heure chez vous là-bas? Ça chauffe pas, c'est... Ah oui, ça chauffe pas. Une fois la DV réussie, je peux être militaire. Militaire aux États-Unis, mais oui, bien sûr. Vraiment, merci pour l'aide que tu as. Mais oui, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Il y a mon ami Fabio, Fabrice, qui est devenu militaire. Il est dans l'armée américaine aujourd'hui. Voilà. Il est dans l'armée américaine. Voilà. 17h25 en France. Ok, elle t'a répondu, hein, mon frère. Toi qui demandes l'heure de la latou là. Si tu es causé, elle faut dire en même temps, il faut déclarer tes biens. À propos de moto. Moto. C'est quoi ça? Moto a fait quoi? De dire quoi sur moto? Mais s'il y a des motos ici, quoi. Ici, les gens conduisent des motos par amour, passion, hein, pas comme dans nos pays africains, je pense que le Burkina Faso ou un autre pays là, où il y a moto, taxi, tout ça. Et les motos sont beaucoup chères. Hein? Les motos sont chères. J'ai vu une moto là à trois roues. C'est un noir qui conduisait, j'ai causé avec lui. Il m'a dit que. On était au feu. Il a dit, mais c'est combien tu as eu ça? Il dit $35,000. Moto. Ah bon, il faut rester là. Il y a des motos qui sont vraiment chères. Les Harley, on dit quoi? On dit comment on appelle? Il y a des motos qu'on appelle Harley Davidson, si je ne me trompe pas. C'est ça, non? Harley Davidson, mais quoi là? C'est des motos qui sont très chères. Quoi encore? Ouais, vous êtes nombreux. Il y a toujours 80 et quelques. Bon, on était 100 et quelques, mais bon, on est descendu à 86. Oui, Harley Davidson, voilà, je ne me suis pas trompé, merci. Ça, c'est des motos. Typiquement américaine, mais c'est des motos américaines et c'est cher, c'est cher comme voiture, hein. Voilà, c'est cher, c'est vraiment cher. Ouais, les causeries, allons, il dit aujourd'hui là, moi je donne pas thème, je parle. C'est vous qui parlez aujourd'hui là. Donc vous voyez, non, il faut regarder quelque chose qui va t'apporter quelque chose, faut perdre ton temps sur quelque chose qui va t'apporter quelque chose, voilà. Mais bon, je peux comprendre aussi certaines personnes. Et certaines personnes, peut-être qu'elles n'ont pas besoin de. Elles n'ont pas besoin d'argent, elles n'ont pas besoin de réaliser un projet. Elles ont juste besoin de rire, de se moquer et de se distraire. Ça aussi, c'est bon aussi. Hein. Faut pas en vouloir les apoutchou. Voilà, c'est bon aussi. Voilà. En tout cas, il y a d'autres qui regardent juste pour rire. Ça leur apporte quelque chose aussi. Voilà, ça aussi, je comprends. Je comprends très bien le contexte, quoi. Mais comme c'est beaucoup plus les jeunes qui sont remplis sur ces genres de pages-là, les Makoso, les Lolo Beauté. C'est ça qui me fait mal. Parce que la plupart d'entre eux, d'autres n'ont même pas moto dont on parle. D'autres n'ont pas encore acheté moto. Il n'y a pas un engin avec moteur qui porte ton nom, qui est enregistré en ton nom. Un engin avec un moteur dedans, ou c'est en ton nom. Tu n'as pas encore ça. Tu n'as pas un bâtiment, une maison, même si c'est studio, même si c'est condo. Condo, c'est des... Vous connaissez condo, non? Condominium. C'est des types de maisons ici aux États-Unis. Ils savent que ça y est partout en France aussi, non? Voilà. Oui, il y a des personnes qui ont trois boulots ici. Je connais des personnes qui ont trois boulots, mais c'est des personnes mariées, comme je le dis. Si tu n'es pas marié, tu seras sale. Tu n'as même pas avoir le temps de te laver.
Voilà, un condo. Il y a des condos ici. Même là où je vis, là, c'est un condo. Maison où je suis actuellement. Et puis, je vous ai souvent montré à l'intérieur, là. Vous voyez comment c'est joli, mais c'est condo. Ce n'est pas un appartement. C'est pas un house. Ce n'est pas une maison. Parce qu'il y a trois types. Hein. Il y a condo. Il y a quatre types. Les maisons, là, il y a quatre. Comme il reste 10 minutes, il y a près de 10 minutes pour exposer là-dessus. Il y a les mobile homes. C'est des maisons déplaçables. Voilà, c'est-à-dire, tu peux vivre dans un quartier jusqu'à quand ça ne te plaît pas, on peut déplacer la maison dans un autre quartier ou bien dans un autre city. Je sais pas si tu comprenais un peu. Mais tu dois payer la terre là, qu'ils appellent land. Tu dois payer le land là. Voilà. Ça, c'est mobile home. Mobile home, son problème, c'est que la maison est moins chère. Chez les gros, hein? La maison est moins chère, mais land là est cher. Chez les gros, hein? Il est gros. Voilà. Donc la maison est moins chère, mais l'Inde là, le terrain là est très cher. Voilà son problème. Voilà. Voilà, on les appelle aussi les trailers. Ils appellent des trailers. Voilà, c'est la même chose. Trailer. Ou bien manufactured houses. Hein? Les maisons manufacturées, un truc comme ça. Voilà. Il y a beaucoup de noms, quoi. Mais en tout cas, voilà. Maintenant, deuxièmement, il y a condo. Condo, c'est un gros bâtiment. C'est des maisons collées. Voilà, c'est-à-dire, il y a un mur, il y a d'autres qui vivent en bas, d'autres vivent en haut, d'autres vivent à côté ici. Voilà, c'est un bâtiment. Non, c'est des maisons collées au fait. Voilà. Maintenant, appartement, ça, c'est des gros bâtiments. C'est-à-dire, un gros bâtiment. Et puis, il y a plusieurs appartements dedans. Appartement. Maintenant, house. Là, c'est à terre, comme là où je vivais là. Là, c'est à terre, c'est toi seul, c'est même clôturé, il y a même portail. Là, c'est house. Là, c'est la finalité. Là, c'est la maison. Voilà, il y a pas quelqu'un. Tu ne partages pas mur avec quelqu'un. Il n'y a pas un mur pour dire quelqu'un là, il n'y a pas quelqu'un en haut, il n'y a pas quelqu'un en bas, il n'y a pas quelqu'un à côté. On peut dire voisin, il y a voisin, mais là, c'est une autre maison. Voilà, donc ça, c'est house. Donc, voici les quatre types. Condo, trailer, mobile home, appartement et puis house. Voilà. Donc, c'est comme ça. Non, c'est house là qui est la finalité, au fait. Quand tu as ça, en tout cas, c'est bien. Voilà. Même ma famille d'accueil, qui se font beaucoup d'argent, là, ils n'ont pas encore. Bon, ils ne savent plus s'ils ont house, hein, parce que tout le monde ne dit pas ses projets. Peut-être qu'ils vivent là, mais ils sont en train d'acheter une maison ailleurs, quelque part, on ne sait pas. Voilà. Mais quand je suis venu, c'est dans condo, ils étaient aussi. Voilà, c'est dans condo. Donc, c'est ça qui est là. C'est ça qui est là-haut. Il reste 7 minutes pour que je bouge. Notre causerie prend fin bientôt. Merci aux 66 pouces bleus. Quelqu'un dit condo, ça coûte combien? Mais ça dépend du nombre de chambres. Ça dépend du quartier. Voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas dire un prix comme ça, ce n'est pas possible. Ça dépend de combien de chambres, combien de douches, et puis dans quel quartier. Pour qu'on dise le prix. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est vraiment différent, c'est vraiment différent. Les condos sont-ils chers? Oui, très chers même, c'est cher. Mobile home n'est pas trop cher. Appartement n'est pas trop cher, condo n'est pas trop cher. Mais tout est cher, en tout cas. Les houses, en tout cas en Californie, faut partir de 450 000 dollars à 700, 800, 1 million. Ça c'est les houses. Où il y a terrasse, jardin, clôturé, portail. D'autres même, c'est en haut, en bas. Il y a deux. Donc, voilà. Donc, il y a 500 000 dollars. Mon frère, tu peux t'acheter une maison de respect. Voilà. Tu peux t'acheter une bonne maison. Et quand vous voyez tout ça, c'est pourquoi il y a d'autres qui deviennent braqueurs, d'autres qui deviennent voleurs. Parce que 500 000 dollars, là, vraiment, pour avoir ça comme argent, là, si tu n'es pas voleur, braqueur, c'est que c'est des années et des années d'épargne. Si tu nous les immigrés, à quel moment tu vas épargner 500 000 dollars? À quel moment? Oh, vous amusez, hein? Puisque l'État, il paraît que les taxes que les gens nous coupent là, c'est presque 40%. Il y a un homme d'affaires que j'ai regardé sur YouTube là, c'est lui qui a dit ça. Ça dit, tu travailles, non? Et puis 40% de ton argent là, ça va dans la caisse de l'État. Puisque sur le chèque là,
Je ne vais pas vous expliquer beaucoup de choses ici. Ça me fait mal, mais bon. Paye le chèque, même on coupe d'abord. Et puis à la fin d'année, encore là, tu dois payer. Ça, c'est quand tu es célibataire. Voilà. Cette année-là, moi, j'ai payé. Tout à l'heure, j'ai regardé mon compte, là, ils m'ont coupé. Sans pitié. Hein. Ah. Ils m'ont coupé ça même. Ça a gâté même le compte. Ça a dévisagé même mon petit compte là, de 2 ans. Là. Petit épargne de 2 ans. Là, ça. L'état de cette année-là, on gâté ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais être... Sinon, il y a d'autres qui ne calculent pas l'état, c'est un. Mais quand un problème là, l'état ne pense pas à toi aussi. Et vous comprenez un peu. C'est pas obligatoire. Hein? Voilà. Quand on dit obligatoire, non, 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 on ne va pas te pousser pour ça, on ne va pas te renvoyer pour ça, on ne va pas te rapatrier pour ça. Mais ils t'attendent au carrefour, au tournant. Voilà. Ils t'attendent au tournant. Par exemple, coronavirus là. L'État n'a rien donné. Hein? Ah oui. Ceux qui ne payent pas taxes, l'État ne les connaît pas. Voilà. Moi, j'ai reçu 2 fois. Ma troisième fois, je n'ai pas reçu parce que c'est moi qui dois payer. Voilà. Mais on m'a dit que quand je finis de payer là, d'attendre au moins 1 semaine et d'appeler, on les appelle IRS. Bon, ils disent ça, ils disent IRS. Voilà, ça veut dire là, ils m'ont coupé, non? Ça veut dire que je suis en ordre. Je n'ai pas encore payé mes taxes. Mais là, ils m'ont coupé. Donc, je suis en ordre. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc maintenant, je peux maintenant appeler IRS pour leur dire que je n'ai pas reçu mes 1 400 $. Voilà. Puisque les gens ont reçu 1 400 $, il y a troisième semi-chèque qui est tombé. Moi, j'ai reçu 2. 1 200 et puis 600. Donc, les gens me doivent mes 1 400. La question est là. Donc, il a attendu un peu quelques jours. Et puis, j'ai appelé. J'ai appelé et dit, j'appelle parce que je n'ai pas reçu mon stimuli-chèque. Comment ça? Je ne joue pas avec ça. Voilà. Il faut qu'on me donne mon stimuli-chèque. Mais je suis sûr que comme je n'avais pas encore payé mes taxes de cette année, de l'année passée, 2020, puisque je n'ai pas encore payé, ça veut dire que eux chez eux, je n'ai pas encore calculé, je n'ai pas encore. Voilà. Donc ils ont envoyé aux gens ce qu'on devait faire là, ils ont les envoyé. Même mon ami camerounais, Patrick, mon ami camerounais, il a eu pour lui. Voilà. Patrick a eu pour lui. Il y a un autre ami camerounais qui est ici là, il a eu pour lui. Il m'a dit 1 400 $. Voilà. On est même single là, on est même célibataire, même situation là. Mais lui, il a reçu pour lui parce qu'il a déjà calculé tout. Et puis voilà. Moi, je n'avais pas encore payé puisque j'attendais certaines choses, certaines. Voilà. Donc les gens m'ont soutenu. Il y a une dame là qui m'a aidé un peu. Il doit rembourser, bien sûr. Puisque c'est au-delà de 2 000 $. Je n'avais pas ça. Donc, voilà, on m'a aidé. Et puis, bon, quand c'est arrivé, j'ai payé. Voilà. J'ai payé. J'ai déposé sur mon compte et j'ai mis le numéro du compte et ils ont coupé. Bien, c'est avec ceci que je vais vous dire au revoir à Houston avec 100 000 $. Tu as une grosse baraque. Voilà, donc toi-même tu as dit baraque. Bon, quand on dit baraque aussi, c'est pas comme nos baraques au pays là. C'est des maisons habitables, acceptables. Voilà, c'est des maisons habitables et acceptables. Donc c'est très bon, très bon. Donc en tout cas les frères, moi c'est mon rêve qui est là. Ça peut prendre des années, hein, mais un jour, Herman Ibarra USA sera dans son salon et il fera vidéo. Que Dieu nous donne longue vie. Voilà. Un jour, votre frère, je serai dans mon salon. Il n'y a pas quelqu'un qui me dit, il faut parler doucement. Peut-être si madame regarde son film, elle peut dire, ah, pardon, il faut aller dans la chambre là-bas, tu as crié. Là, on peut comprendre ça. Sinon, il n'y a pas, ça ne chauffe pas. Il a déposé mes micros, quoi. Décorer le coin, puis framponne les vidéos pour encourager les gens sur le terrain. Voilà. Donc, un jour, ça va arriver. La vie, c'est des étapes. Je ne doute même pas de ça même. Je ne doute même pas de ça. Ça va arriver. Avec moi, il pensait qu'un jour, il allait avoir une petite voiture. Même Brouette, il ne pensait pas ça un jour. Ah, il ne pensait même pas ça. Voilà. Si on me dit 20 ans en arrière, l'an 2000, même l'an 2015, je ne pensais même pas qu'il allait avoir voiture encore. Ah, quand même, il a ma vie, mais il ne savait même pas qu'un jour, il allait acheter une voiture. Et ça, vous comprenez? Voilà. Moi, aujourd'hui, c'est un petit brin-brin. Voilà. Donc, ça veut dire un jour aussi, là. Ça peut être possible. Alors, il y a besoin de ça, parce qu'il doit conduire. Puis il fait très très chaud actuellement. Bon, il fait pas chaud, le temps est frais, mais il y a soleil. C'est bizarre. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Merci aux 72 personnes qui ont mis pouce bleu. Merci à Maman Lala Tour qui a fait un geste financier.
Et merci à vous autres qui avez commenté, qui avez animé cette causerie numéro 009 du 16 avril 2021. Je suis Herman Ivaré, USA. Quelqu'un demande, il fait quelle heure? Il est 8h40 ici en Californie, Orange County. C'est le nom de la grande, de pas la ville, mais il y a plusieurs villes à Orange County, quoi, en fait. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, il est 8h40. Je vais bouger. Voilà. Je dois aller voir mon ami là, mais j'ai envie de manger un peu. Je n'ai pas encore déjeuné, les frères. Voilà. Puisque ma nourriture est finie. C'est demain que je dois faire marcher de la semaine. Donc, ma nourriture est finie. Quand je vais aller chercher un truc pour manger là. Et puis après, je vais prendre la route pour aller voir mon frère. Je vais aller parler avec lui. Et après, je vais prendre ma route pour revenir. Parce que demain, je travaille. Voilà. Merci à toi, Herman, et à ta famille, à la famille. Prenez soin de vous. Merci, Lalatou. Merci, frère, pour ton courage. Merci, Brigitte. Merci, Daniel. Merci, Bamba. Il dit, c'est Los Angeles. Qu'est-ce qu'est Los Angeles? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'est Los Angeles? Orange County, là. Orange County, ce n'est pas le nom d'une ville. C'est le nom d'une région de la Californie. Voilà. Composé de plusieurs villes. Merci, merci, merci. Je vais vous laisser, hein, pardonner. Je vais vous laisser au... Roule avec nous. Non, 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 pardon. Mon frère. Isidore. Merci, merci, merci. Voilà, un pouce bleu, merci. Pouce bleu. Vous pouvez même faire à 80 pouces bleus, c'est pas mauvais. Non, je ne suis pas à Los Angeles. Je ne suis pas à Los Angeles, mais je n'aime pas dire ma ville aussi. Hein. C'est là le vrai problème. Mais je ne suis pas à Los Angeles en tout cas. Mais ma ville, là, je n'aime pas trop dire ça. Je n'aime pas dire ça pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité. Bien. Que Dieu nous bénisse. Beaucoup de courage à nous. Herman, c'est chips. Hein? Voilà, mais j'ai envie de manger quelque chose de solide. J'ai un peu faim. Là. Donc, c'est pourquoi je veux partir. Je ne sais même pas ce qu'elle mange, même actuellement. Elle mange tacos. Vous connaissez tacos? C'est des nourritures mexicaines. Elle mange tacos. Voilà. Merci, merci. Ah, Anthony dit qu'il s'ennuie. Il a mis émoticône de tristesse là. Je suis désolé, mais il faut que je parte. 78 pouces bleus, merci. Mettez à 80 pouces bleus. Aïe. Monsieur Joël dit, tu es une source d'inspiration. Merci à toi. Merci aussi à toi, frère. Quelqu'un dit, tu es bien sécurisé. Non, je n'ai pas envie de dire, c'est tout. De la vie, il faut avoir un petit mystère. Étranger, dégage. C'est quoi ça là encore? C'est qui lui là? Il s'appelle Cheikh. Toi, tu travailles au plateau. Tu as bien fait. Alors, merci les frères, il y a déjà démarré. Démarré. Je vais manger un peu de tacos et puis je m'en vais causer un peu. Mais je ne vais pas oublier, je vais vous balancer la vidéo dans... Il est 40... Bon, d'ici 9h. Je ne sais pas quelle heure il fait là-bas. Ah, il a supprimé son commentaire. Il ne faut pas supprimer mon frère, il a vu. Il a vu mon frère. Vous là, vous êtes d'une mentalité très très bizarre. Vous êtes trop bizarre, vous là. Non, il a supprimé. Et puis il n'a pas besoin de bloquer, mais il a bloqué. Avec moi, il a calculé. Comme c'est vers la fin, c'est pourquoi il a dit son nom là. C'est des gens qui sont très bizarres. C'est des gens qui sont très... Et quand on dit ça, on dit non, que tu n'aimes pas les musulmans, tu n'aimes pas les nordistes. Ils sont très bizarres ceux-là, c'est des gens très bizarres. Alors donc les frères... Attends, comment est-ce que j'ai réussi là? Où on passe? Ah non, c'est là-bas, on passe. Bien, il a coupé, hein, parce que je n'aime plus faire vidéo en conduisant, donc je vais couper. Merci, merci, c'était Herman Ivaré, USA. Vous connaissez à faire là, ça ne chauffe pas. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Il y a un soleil sérieux ici. Il faut mettre maintenant les raies noires.
bon, les lunettes de soleil pour gérer la journée. Voilà, donc j'ai été très heureux. Mais mettez à 80 pouces bleus, j'attends 80 pouces bleus. Aïe, vous aussi. J'ai été très heureux d'avoir fait la vidéo avec vous. Voilà, merci pour les pouces bleus. 82 pouces bleus, aïe, ça chauffe pas. Big up, big up, big up. Big up les gars, big up, big up, big up. C'est bon, il va aller USA, ça chauffe pas. Donc on est ensemble, on est ensemble. Bonne journée. Bon week-end. Bon week-end, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Croyons en nos rêves. Croyons en nos projets. Voilà. Merci, merci, merci. J'apprécie. Je vais couper maintenant. Quelqu'un demande le Quelqu'un demande le prochain direct, c'est quand? Mais c'est demain. Non, demain, il pense pas. Non, demain, je ne pense pas. Demain, on n'aura pas causerie. Spécialement pour demain. Parce que demain, je suis très chargé. Je dois faire mon marché, je dois faire des montages, je dois faire beaucoup de choses. Donc, ça sera lundi. Je vous donne rendez-vous le lundi. Voilà, le lundi, on est ensemble. Voilà. Merci beaucoup, les gars. Merci. Merci. Bye bye. Mama got style too. Okay, mama got style too.